Céline Dion se confie avec une profonde sincérité dans un documentaire événement intitulé « IAM », lequel retrace son parcours exceptionnel ainsi que sa lutte contre la maladie de l'homme raide. Une affection insidieuse qui perturbe son quotidien depuis près de 2 ans. Des signes encourageants laissent entrevoir une amélioration de son état de santé. C'est le 30 janvier dernier que la célèbre chanteuse québécoise a annoncé, avec émotion, la sortie prochaine de ce film poignant, réalisé par Irene Taylor. Ce projet se révèle être à la fois ambitieux et profondément personnel pour Céline Dion, qui a pris l'initiative de partager avec ses admirateurs les épreuves et les défis auxquels elle fait face depuis plusieurs années. Dans « IAM », la chanteuse se confie sans aucune retenue sur le syndrome de l'homme raide, une maladie neurologique rare qui exerce un impact significatif sur son quotidien et qui l'a contrainte à annuler une partie de sa tournée « Courage World Tour ». Il s'agit là d'un combat invisible que mène avec courage et détermination Céline Dion, et qu'elle souhaite désormais partager pour sensibiliser le public à cette maladie méconnue. La réalisation du documentaire aujourd'hui est le résultat de « grosses négociations » avec la star, comme l'a révélé une information rapportée par Closer. En effet, étant particulièrement soucieuse de sa vie privée, Céline Dion a longuement hésité avant de consentir à se dévoiler aussi intimement devant les caméras. Malgré les défis imposés par la maladie, la chanteuse, récemment repérée à New York en compagnie de ses enfants, ne perd pas espoir et continue d'avancer avec détermination et dignité. IAM transcende la simple classification de documentaire, il représente un message profond d'espoir et de persévérance face à l'adversité.